Bonjour, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuelle vidéo avec le cabinet d'avocats Landau & Associés par VK. Dans quelques minutes, nous aborderons un grand dossier, les conséquences pour les juristes territoriaux des grands dossiers qui seront apportés par le mandat qui commence. Mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours. Et on commence avec une question prioritaire de constitutionnalité, ou même deux, qui vont être étudiées en audience le 15 juin par le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité ou non du premier tour des municipales. Mais déjà, quelques premières décisions sont prises par des tribunaux administratifs. Un, à Rennes, qui censure l'argumentation relative à la baisse de participation et son effet sur la sincérité du scrutin. Et un autre, plus original, où le tribunal administratif de la Guyane censure une tentative d'un requérant de passer par un référé liberté contre l'élection du maire parce que celui-ci n'avait pas attaqué en fait l'élection initiale. Bon, le Conseil constitutionnel toujours en rend une décision intéressante en matière d'environnement et d'énergie, d'accord, mais par cette décision du 28 mai, il estime que passer un délai d'habilitation pour une ordonnance de l'article 38 de la Constitution, celle-ci ne peut plus être modifiée que par voie législative, ok, ce qui revient aussi à lui conférer une valeur peut-être législative. Ce point est discuté depuis. Sur le terrain, on a eu enfin le décret du 25 mai sur le rescrit ou le pseudo-rescrit préfectoral prévu par la loi engagement proximité. Donc vous pourrez demander à votre préfet son avis sur tel ou tel projet de texte, et si celui-ci donne son avis, il ne pourra pas ensuite revenir sur ce qu'il a dit dans le cadre d'un éventuel déféré. Mais enfin, on est loin d'asquer un vrai rescrit, on en est très loin. Au quotidien, le déconfinement a désormais un nouveau cadre juridique, pour l'essentiel, qui est un décret du 31 mai 2020 qui remplace les décrets du 11 mai et surtout du 23 mars avec lesquels nous avons longtemps vécu. Sur le terrain contentieux, il y a eu des allers-retours étranges, une sorte de bal masqué sur le point de savoir s'ils sont légaux ou pas les arrêtés municipaux en matière de port de masque. Le Conseil d'État avait dit non, c'était le 17 avril 2020, sauf circonstances locales. Mais plus récemment, le tribunal administratif de Strasbourg a détaillé selon que telle liberté est méconnue ou pas par un arrêté en matière de port de masque. Et plus surprenant, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait ouvert ce bar-là initialement avec une ordonnance de censure, a par une autre ordonnance le 28 mai validé un arrêté d'interdiction de port de masque au niveau municipal. Ce qui n'a pas été en revanche accepté par le juge, ce sont les arrêtés municipaux refusant le déconfinement scolaire, trois arrêtés, trois censures, que voici. Le tribunal administratif de Versailles, en revanche, a accepté que l'on mette une caméra thermique, anti-Covid donc, à l'entrée des bâtiments municipaux. Mais attention, les usagers savaient qu'il y avait cette caméra et pouvaient éviter la caméra. 9. Un gestionnaire de domaine public non routier a-t-il le droit de dire à un occupant du domaine pour des antennes relais, bah non, je vais plus accepter ton occupation domaniale au-delà du contrat en cours et je vais m'organiser autrement, mettre en concurrence, etc. Réponse, oui, si on n'est pas dans le domaine public routier, eh bien le gestionnaire du domaine public, un réservoir d'eau en l'espèce, a ce droit. Droit aussi pour l'autorité qui fait un PLU de classer en zone A des parcelles qui pourtant ne sont pas agricoles, mais qui sont contigu à des parcelles agricoles dans des cas assez particuliers, cela dit, mais cette décision du 3 juin du Conseil d'État a fait un petit peu de bruit. Ce qui fait moins de bruit en revanche, c'est la sortie très progressive du brouillard de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui a eu sa loi, qui a eu son décret, qui enfin vient d'avoir une instruction qui fixe les modalités de son intervention, une intervention très décentralisée, mais il y a encore beaucoup de brouillard à dissiper. Transparence exigée en revanche des ministres et sans doute en fait des autorités locales lorsqu'il y a des négociations importantes, pas uniquement en matière de personnel, mais aussi, comme à l'espèce, d'avenir de la profession avec des représentants. Eh bien, dans ces cas-là, le ministre, en l'espèce, doit avoir autour de la table tous les syndicats, en l'occurrence professionnels, représentatifs, décision importante au niveau national, à réfléchir sur son éventuelle transposition à l'avenir au niveau local. Passons au marché public.
on a une décision extrêmement importante du Conseil d'État qui a été rendue le 27 mai 2020. Depuis 2008, en référé précontractuel, mais on va avoir sans doute le même raisonnement pour des recours de type Tarn-et-Garonne et autres, un candidat évincé ne pouvait attaquer en justice une passation que s'il avait une offre recevable et donc qu'il était réellement lésé. Le Conseil d'État vient de revenir sur cette règle. Ça veut dire qu'il y aura plus de facilité pour les candidats perdants à vos marchés publics à faire des recours contentieux qu'avant cette décision. Sur un mode plus mineur, des précisions importantes ont été apportées par la Cour administrative d'appel de Versailles sur la rémunération des travaux supplémentaires en matière de marché à prix forfaitaire. Et enfin, le Conseil d'État a apporté un certain nombre de précisions dans le domaine qu'on appelle le droit souple, c'est à quel moment un guide produit par un ministère est-il susceptible ou non de recours contentieux, distinction opérée par cette décision. Mais passons tout de suite à notre grand dossier. En effet, il y a un nouveau mandat avec des nouveaux enjeux au niveau national, des nouveaux programmes locaux, une évolution de la société, une gestion post-Covid avec de nouvelles habitudes en matière de télétravail et de numérique, mais aussi de nouveaux enjeux économiques et sociaux notamment. Face à tout ça, quels sont les grands enjeux du mandat à venir et en regard de cela, quelles conséquences pour les juristes territoriaux? Nous avons voulu poser à ces sujets importants des questions à plusieurs directeurs et directrices généraux de services. Merci d'abord à tous d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et commençons par Alain Narcisse, DGS de la ville de Valenciennes. Quelle est ton opinion à ce propos? Moi, je songe à quatre enjeux majeurs pour ce nouveau mandat. Le premier d'entre eux, c'est dans le cadre du contexte Covid, les conséquences sur les DSP en cours et de quelle manière assurer l'équilibre de ces contrats spécifiques. Le deuxième enjeu, c'est l'instauration, j'ai envie de dire, du maire en tant que référent sanitaire et les conséquences juridiques pour lui et pour la collectivité quant à ce nouveau rôle. Le troisième enjeu, c'est quid du compte administratif 2020 et des années suivantes, de quelle manière sur les DSP en cours et de quelle manière assurer l'équilibre de ces comptes sur nos exécutions budgétaires et sur les conséquences dans les services et sur le service public. Le quatrième et dernier point, c'est de dire que ce mandat il est déjà écorné de presque 6 mois. Et de quelle façon les équipes vont devoir être imaginatives et juridiquement dans les règles pour mener à bien les investissements, les concrétiser sur un temps déjà écorné et substantiellement. De quelle manière investir en fait sur 5 ans et demi et non plus sur 6 ans et l'objectiver. Merci. Et passons maintenant à Fabrice Pochol, DGS de la commune nouvelle de Charny-Aurette-Puisaye. Fabrice, qu'en penses-tu? Les priorités ont été changées. Aujourd'hui, la transition énergétique, les bâtiments à basse consommation d'énergie, les circuits courts alimentaires, l'autonomie alimentaire, la montée en débit et la téléphonie mobile pour le télétravail sont devenues les priorités numéro 1, liées bien sûr avec le principe de subsidiarité, c'est-à-dire les collectivités où la puissance publique peut s'adapter et agir le plus près possible du terrain. La proximité au niveau des habitants avec les maisons France Service est bien sûr primordiale et cette adaptabilité au niveau législatif, au niveau élu, au niveau finance et au niveau du personnel a bien sûr une conséquence au niveau du juriste territorial. Le juriste territorial doit changer son logiciel qui doit évoluer dans le sens où, comme on dirait, c'est que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du cerveau et que tous les outils sont sur la table. Les principes de convention, de coordination, de délégation, de mutualisation ascendante, descendante, tous les outils sont sur la table. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, même l'État a énoncer un rescrit préfectoral pour pouvoir définir une politique avant de passer au juge, où le juge fera et ciselera au niveau du couteau le plus près possible de l'action au niveau du territoire. Et comme dirait Darwin, ce n'est pas le plus fort ou le plus intelligent qui réussira, c'est celui qui s'est adapté. Et ça, c'est un des enjeux aussi bien pour le territoire que pour les juristes territoriaux. Et est-ce qu'Emmanuel Catiot, DGS de Savigny-le-Temple, a le même point de vue? Emmanuel, qu'en penses-tu? Parmi les enjeux du programme municipal des 6 années à venir, et en particulier avec la gestion post-covidienne et la possible et probable crise économique que nous allons traverser, je vois 3 sujets importants sur lesquels, juridiquement, il va falloir travailler de manière transversale en mode projet et surtout pas travailler en silo.
Le premier, par exemple, si on travaille sur la vie nourricière, les circuits courts, le bio dans l'assiette des enfants à la cantine, les problèmes juridiques sont multiples et concernent bien évidemment le droit des sols et puis, par exemple, le code des marchés publics. Si on parle de la santé pour tous et l'accès à la santé dans les déserts médicaux, on a évidemment à se poser la question des aspects juridiques dans plusieurs domaines. Et puis, troisième exemple, si on travaille sur l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, plusieurs champs juridiques vont nécessiter impérativement de travailler en mode projet avec en toile de fond à chaque fois plusieurs référentiels juridiques qu'il sera indispensable de croiser pour réaliser les projets. Et maintenant, demandons leur avis à deux DGS d'intercommunalité, en commençant par une communauté d'agglomération réunionnaise. Monsieur Maillot, qu'en pensez-vous, monsieur le DGS ? La question des grands enjeux du mandat à venir doit être replacée dans le contexte de crise sanitaire. J'en citerai quatre, sans prétendre être exhaustif. La gouvernance et la transparence, la transition écologique et l'aménagement du territoire, la mobilité et l'emploi, le renouveau des services publics locaux et l'accessibilité. Tous ces enjeux ont une dimension transversale qui nécessite la prise en compte des besoins de la population, de leurs attentes et l'interaction de chaque niveau de collectivité. La mise en œuvre de démarches innovantes se pose aussi avec acuité. Pour le juriste territorial, il s'agit de penser et d'agir en mobilisant des compétences multiples, en quelque sorte d'avoir une vision à 360 degrés. Son rôle ne se limitera donc pas à gérer un dossier contentieux, mais à revisiter les modes d'action ainsi que leur finalité. Et maintenant, quel est l'avis de Madame Véronique Juan, DGS de la communauté de communes des Lieux en Béarn? Qu'en pensez-vous? Un des principaux enjeux du nouveau mandat dans une intercommunalité rurale est de gagner l'adhésion des communes à la communauté et ainsi de favoriser un sentiment d'appartenance. Clairement et concrètement, il faut pour la communauté, à travers des actions de mutualisation, être un partenaire incontournable des communes. Nous n'avons pas attendu la loi engagement et proximité pour pleinement associer les maires et les élus communaux dans le fonctionnement de notre intercommunalité et emporter l'adhésion des maires et élus municipaux dans un territoire rural à l'action intercommunale est vraiment un enjeu de taille. Nous le réussirons grâce à notre capacité à apporter aux communes une assistance structurée, réactive et organisée sur des questions environnementales, de sécurité publique ou juridique. Cette réflexion devra être accentuée car la diminution des moyens financiers des intercommunalités, en lien direct avec la crise sanitaire et maintenant la crise économique, nous conduira sûrement à abandonner des compétences. L'investissement de notre juriste et plus largement de notre service juridique sera primordial dans cette démarche. Il faudra être dans la réactivité, l'adaptation et surtout dans la culture de la solution. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ces témoignages tout à fait passionnants. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et au revoir. Et surtout, à bientôt pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques par Landau et Associés pour VKA. Pensez à vous abonner juste après. Merci. Au revoir.